Tatamayo, Tatamayo, Matera Buntobu. You Matero to his Obamae. Bama Sara Kebe Pum Pum. Bama Satero Dongi Chancharon Chong. Bamba la Boitu. Monsieur cherche à s'échapper comme d'habitude. Je ne voulais pas te déranger. Puisque tu dormais encore, chérie. Arrête de m'appeler chérie. Dis plutôt que tu comptais t'échapper comme tu le fais tout le temps. Mais pour qui me prends-tu à la fin? Tu veux parler de quoi? Tu penses que c'est ta prostituée que tu pars mener à l'hôtel, coucher avec elle toutes les nuits. Et puis le matin, partir sans lui dire au revoir. Pour que quelques jours après, tu l'appelles pour lui donner rendez-vous dans ce même hôtel. Là, je ne te comprends pas. En plus, tu cherchais mon numéro de téléphone. Je n'ai pas dit ça. S'il te plaît, il faut que je rentre. Mon épouse doit certainement se faire des soucis. Ah bon? Comme je n'ai pas de mari, je dois vivre ici. Tu penses que je suis fier de la vie que je mène? Passer la nuit avec un homme qui chaque matin me perd dans son lit. Célia, le moment est mal choisi pour soulever ce sujet-là ici, ok? Remets-toi plus tard. Il est 6 heures là, hein? Prends ça comme tu veux.
Mais aujourd'hui, nous allons sortir de cet hôtel tous les deux. Le jour n'est pas très bon là. J'en ai marre d'entrer et sortir comme une voleuse. Les réceptionnistes me connaissent ici comme étant la fille du 501 solitaire. Tu as décidé de me dire comment vivre ma vie alors que je n'ai pas besoin d'un professeur. Tu libères ma maison. La seule personne qui doit partir de cette maison, c'est bien toi, maman. Parce que tu m'as laissé passer la nuit ici dehors. Tu n'entres plus. Va vivre ailleurs. Comme tu penses que nous sommes des égales. La seule chose qui me retient encore, c'est que tu sois ma mère. Donc je te conseille de ne pas me pousser à bout. Sinon, tu feras quoi? Rien. Rien, maman. Car rien ne peut plus te blesser. Tu es d'une inconscience à nulle autre pareille. Tu es l'indignité de la gente féminine et l'irresponsabilité qui te caractérise fait la honte de toutes les femmes. C'est la dernière fois que tu me parles sous ce ton. Tu as compris? En compagnie de son homme. Monsieur, la nuit a été. Alors comme ça, tu abandonnes ta maison, les enfants et moi pour venir passer la nuit à l'hôtel avec ta prostituée. Et voilà qui se permet de me traiter de prostituée. Madame, écoute. Écoute-moi très bien. Je n'ai jamais demandé à ton mari de me faire la cour. Ensuite, je ne t'ai jamais empêché de bien lui faire l'amour. Et enfin... Oh, tu fermes ton clapet tout de suite, hein? Je ne te permets pas de parler à mon épouse ainsi. Monsieur, arrête ça. Arrête ça. Madame, je t'avais dit la dernière fois que la prochaine fois qu'on va se retrouver, tu auras de mes nouvelles. Comme ça, tu penses que tu peux m'empêcher? Et toi, bébé, j'espère que tu resteras entre les cuisses de cette vieille femme de pacotille. Oh. Je ne te permets pas d'insulter mon épouse en ma présence, ok? Comment? D'où te vient le culot de croire que tu peux la traiter n'importe comment? Comme ça, tu m'as giflé? Oui. Et tu n'as encore rien vu. Moi, je vais te défigurer tout à l'heure. Oh, arrêtez-moi ça! Arrêtez-moi ça! Arrêtez-moi ça! Arrêtez-moi ça! C'est comment? Ah! Bonjour, Djelia. Bonjour Patrick, tu n'as pas de travail aujourd'hui? J'irai plus tard. J'ai un entretien d'embauche ce matin dans une entreprise de la place. Waouh, je te souhaite bonne chance. Merci Dilia. Dis, Naomi a un problème. Pourquoi cette question? Vu le visage que vous exprimez hier lorsque je suis venu vous voir. Merci de tes soucis Patrick. C'est juste les problèmes des femmes, ça va s'arranger. T'inquiète. Je l'aime vraiment. Tu devrais lui dire. Justement, vous ne me laissez pas l'occasion de le faire. En tout cas, je te souhaite bonne chance. Et aussi pour ton entretien d'embauche. Merci, Idélia. Et en passant, tu lui dis bonjour de ma part. Je ne manquerai pas. Monsieur, toi qui parles là, je n'ai pas encore fini avec toi. Je n'ai pas encore fini avec toi. Allons gérer ce problème à la maison. On n'a rien à gérer devant nos enfants. Si tu tenais tant à ton respect ou à celui de ta famille, tu ne serais pas dans cet hôtel tous les jours. Marguerite, le spectacle que tu veux qu'on se donne là ne me plaît pas du tout, ok? Je viens te défendre devant cette fille pour te prouver à quel point tu es plus importante pour moi. Ah bon? Donc tu croyais qu'après tout ça, j'allais tourner la page et faire comme si rien ne s'était passé? C'est ça, non? Ce que je veux dire,
quel que soit le problème, allons le faire dans la chambre. Je n'ai plus rien à faire avec toi dans la chambre. D'ailleurs, j'ai demandé le divorce. Quoi? Tu plaisantes? Non. J'ai déjà fait mes bagages. Et je vais de ce pas les récupérer pour partir. Et en ce qui me concerne, ne m'appelle pas. Parce que mon avocat va faire le reste. Il va rassembler tous les documents. Bonne chance avec tes éperviers. Non, Marguerite, tu peux pas faire ça, Marguerite. Et les enfants, alors, tu as pensé aux enfants? Marguerite! Malaya! Bama la memo mar la rep kendem.